Alors, donc le corbillard y arrive ici, la famille est derrière, et alors le fossoyeur qui est devant, il fait sonner la cloche. Il faut bien circuler parce qu'il y a de l'eau. Donc après, le convoi, il se met en route, quoi. Et le fossoyeur, il est devant avec le corbillard derrière. Et la famille, forcément, derrière. Le service en lui-même comprend trois grosses catégories. J'ai une équipe qui travaille spécifiquement sur les terrassements, sur les inhumations, donc qui concerne l'inhumation pleine terre principalement, avec les moyens qu'on a maintenant, puisque le terrassement se fait généralement à la petite grue. J'ai une équipe qui travaille particulièrement les descentes de corps dans les citernes. Et l'émission, qui dit mission, dit réclamation d'un citoyen ou d'un problème technique dans nos cimetières, dans nos différents cimetières. Et il y a aussi une équipe qui travaille spécifiquement les crémations, donc tout ce qui concerne les inhumations d'urnes cinéraires soit dans un columbarium ou dans une caverne, ou alors la dispersion de cendres. Un cimetière, c'est toute une histoire, hein. C'est une histoire avant, pendant et maintenant encore. Et que ça donne goût à aimer les cimetières. Moi, si je vais en vacances quelque part et que je vois un cimetière, je le visite. Voilà, je vais voir les nouvelles infrastructures qu'ils peuvent faire ou voilà, donner des idées pour chez nous, quoi. Voilà, faut savoir que tout ce qui est grand monument, par exemple, c'était des gens peut-être. Très très influent, très riche, peut-être des bourgmestres ou peut-être voilà. Donc c'est très très intéressant de visiter les cimetières et voilà. Moi ça m'a donné ma passion. Moi ça restera toujours les cimetières depuis le temps que je suis rentré. Encore un? Oui, forcément des appréhensions, hein, une méconnaissance. De ce métier, mais j'ai appris à connaître et à apprécier le boulot. Encore Pierre. Les anecdotes, j'en ai une marrante aussi, une petite mamie qui se fait, donc une petite mamie qui se fait enterrer ici, pas loin d'ici. Et alors on l'appelait Mamie Chocotoff. Donc elle se fait inhumer avec un paquet de Chocotoff. Et le garçon, il dit, j'espère que les fossoyeurs vont pas le manger avant de remblayer. Voilà, nous qui étions un peu derrière, on s'est un peu demandé quoi, mais bon, voilà, c'est une belle petite anecdote. Tu peux prendre au pied, Joe. Il y a des fois comme là, on est un petit peu embêté avec les massifs de monuments. Parce qu'ils montent des monuments, mais ils ont des massifs extrêmement énormes. large. Donc quand on arrive au dernier corps, il y a des fois on est un peu embêté, quoi. Donc voilà. Le plus compliqué, c'est les enfants. Ça, c'est très, très, très compliqué. En étant parent moi-même, que voilà, faut essayer de pas le prendre pour soi, mais c'est très, très difficile. Contrairement à ce que la plupart des gens peuvent croire aux idées reçues, on n'exhume pas que des os. Actuellement, ce sont des corps encore bien en chair. C'est assez rare qu'on ne tombe que sur des os. Ce sont vraiment des très anciens en général. Donc oui, c'est assez lourd. C'est assez lourd. Les moments les plus compliqués, c'est quand il fait froid, bien sûr. Moi, je me rappelle à Noël, ici, on a enterré, j'étais avec un Jonathan, et on était à deux. Et la terre était gelée complètement. La terre était gelée dans les brouettes, donc on a dû aller à la barre à mine pour casser la terre, pour remblayer. Il faisait moins 8, hein, donc c'était. Il y a même des gens qui sont venus après, ils ont dit ah ben, chapeau les gars, parce que c'était. Ça, c'est quand il fait froid, c'est la catastrophe, quoi. Mais quand il fait bon, c'est le paradis ici. Ici, c'est une inhumation citerne, caveau, à niveau.
Ici, il y a la tôle dessus pour que la famille, quand elles vont venir ici tout près, ne soit pas choquée de voir ça ouvert, malgré qu'on ne voit pas le cercueil qui est déjà dedans. On essaie de faire ça du mieux possible, c'est vrai, du mieux possible. Et avec les familles, avec un peu de tout, quoi, parce que bon, certaines familles ne sont pas les autres, quoi, donc c'est pas toujours évident tous les jours. Ça, c'est mon rôle, vraiment. C'est pas laisser les plantes faner à la plus de dispersion. Ramasser au colombarium les fleurs fanées, tous des trucs ainsi. Il faut que le cimetière il soit le plus propre possible, de toute façon. Dispersion de cendres, c'est pas du jour au lendemain qu'on va faire ça comme ça. On doit apprendre les bases déjà de là. Ne pas aller trop haut avec son dispersoir, bien bas, bien disperser droit et pas dévier, quoi, je veux dire, propre. Voilà, c'est ça que je veux dire. Alors, je vais avoir l'urne qui va arriver maintenant. Je vais l'ouvrir et je vais transférer les cendres du défunt dans le dispersoir. Après, je me tire ça. Hop. Je vais fermer le couvercle. Et voilà, le dispersoir est prêt pour la dispersion. Oui, un enfant, c'est plus délicat parce qu'on dit souvent, on perd ses enfants. Ces enfants qui partent avant vous, c'est malheureux, quoi. Surtout des petits-enfants, quoi. C'est dur, quoi. Mais moi, à des moments, ça monte là tellement que ça me prend à cœur, quoi. C'est ça que j'ai du mal à des moments, quoi. Il n'y a pas de souci là-dessus, quoi. Celle-ci, je ne l'ai pas faite, justement. Voilà. On va faire ça, voilà. Voilà, il y a des gens qui mettent des vieux bidons. Tu trouves de tout ici, hein. Moi, j'ai trouvé un lit, j'ai trouvé des divans, j'ai trouvé des parapluies cassés, des bières, des boîtes de... Il y a des jeunes qui viennent boire, bien sûr. Il y a toutes sortes. Moi, à la base, ça fait 6 ans que je suis à la ville. J'ai commencé en tant que magasinier et j'ai eu l'opportunité de passer les examens de fossoyeur et en étant ouvrier qualifié. J'ai passé ces examens, j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce métier, maintenant j'y suis, donc voilà. Pour le moment, l'anecdote que je retiens, c'est mon tout premier enterrement, où malheureusement, comme je dis, c'était mon prof de maçonnerie. Donc voilà, pour le moment, c'est l'anecdote la plus négative que je retiens, c'est d'enterrer le prof qui m'a tout appris, la base de mon métier, je veux dire. J'avais peur de la mort, clairement, j'avais peur de ce qui se passait quand on était mort et tout ça. Et le fait justement d'être dans ce métier-là, je me rends compte que la vie elle continue pour ceux qui restent là. Et pour ça, il faut faire ça justement, comme je dis, dans le plus grand respect et penser aux personnes qui restent encore sur Terre. C'est très rare qu'on se retrouve ensemble à midi pour manger. Parce que forcément les enterrements ne sont pas toujours... ça arrive plus de dîner dans les cimetières que de venir manger à la cantine ici. Mais même entre nous, c'est très rare qu'on parle des enterrements, sauf quand on a une anecdote ou quoi. Mais sinon, ce qui est dans le cimetière, ça reste dans le cimetière. Et voilà, quoi, entre nous, c'est très rare qu'on parle de ça, parce que comme je dis, on doit se former une carapace. On est une bonne équipe ici. Hein. Il y a des rigolos, Ouais, voilà, c'est ça, quoi. Il faut une bonne entente, de toute façon. Il faut une bonne entente pour s'assister les uns les autres, parce que ici, moi, en tout cas, j'ai beaucoup de boulot. C'est avant la Toussaint, tous les trucs ainsi, parce que les gens, ils viennent énormément pour fleurir les tombes, donc il faut passer régulièrement dans les poubelles pour que ce soit propre, quoi, le plus possible, quoi. Arrivo. Un colombarium, c'est vous l'ouvrez, vous défaites la dalle, vous allez chercher une nouvelle dalle avec le nom dessus, et après vous attendez que la famille est partie, et quand tout le monde est parti, vous le recellez au mortier, ça dépend des colombariums. Il y a des nouveaux colombariums que c'est avec des écrous, mais c'est pas tout partout.
Et j'ai commencé à laver là, en 2007. Non, 2009, pardon. Et j'étais cantonnier à la main. Et comme on n'a plus de cantonnier, on m'a mis à temps plein. Et à temps plein, on m'a demandé si je voulais pas être fossoyeur. Donc j'ai donné un coup de main au fossoyeur. Et moi, ça me dérange pas, donc. Bon, maintenant. Je ne fais que les colobariums. Au début, j'ai commencé par faire les fosses et tout ça. Mais après, comme j'ai devenu plus vieux, on m'a dit, ben, tu fais que les colobariums et les dispersions. Ici, ça va, mais quand c'est un petit enfant ou autre chose, c'est plus... Même que ce soit dans une petite citerne ou autre chose, ça fait mal au cœur, quoi. Mais bon, on s'y fait, hein. Faut bien qu'il y ait quelqu'un qui le fasse, quoi. Donc voilà, dans la végétalisation dans les cimetières, en règle générale, ben avant, les cimetières étaient principalement, pour ne pas dire totalement, en gravier, enfin c'était des chemins en gravier qui étaient traités. Donc on doit trouver une solution justement pour les rendre un peu moins gris, un peu plus agréables. Donc on a décidé d'engazonner les allées, tout en laissant les allées carrossables, donc pour les véhicules, et que ça soit pratique aussi à entretenir. Donc depuis 4 ans, on a testé différentes façons de faire. On en a retenu quelques-unes qui marchent un peu mieux. Donc je pense qu'ici maintenant, la machine est lancée, mais on a trouvé la solution. Et le but, c'est justement d'année en année d'engazonner tous les cimetières. Alors il n'y a pas que les allées en gazon, on crée justement maintenant les pelouses de dispersion, on essaye de les réaménager différemment pour amener un peu de couleur, un peu plus agréable. Quand on peut, on crée des massifs pour dire que quand les citoyens, enfin monsieur, madame, tout le monde vient dans un cimetière, ben, on se retrouve un peu dans un parc. C'est un peu l'idée qu'on voudrait dans le futur faire passer, quoi. Que ça ne soit pas un cimetière gris, entouré de murs et de monuments. Dans le groupe qui entretient les espaces verts dans les cimetières, on est en fait quatre jardiniers, tous à temps plein, bien sûr. Et à côté de ça, on est épaulé par en moyenne une dizaine d'articles 60. C'est des gens qui n'étaient plus dans le monde du travail, donc qui avaient un peu perdu les repères au niveau des horaires, de la manière de faire. Et je vois qu'au fil du temps, ben on est satisfait de la situation parce qu'on remet les gens dans la rigueur, dans la routine, dans le respect du matériel, des collègues. Et voilà, donc on a une double fonction. Donc voilà, ici on est en train de replanter une haie le long du mur du cimetière des Pleuchins afin de végétaliser le cimetière. Ce qu'on est en train de faire dans à peu près tous les cimetières de Tournai, mais il y en a quand même 33, donc ça se fait petit à petit. Alors par rapport à la population, au début il y en a certains qui chez qui ça ne passait pas parce qu'ils ont été habitués pendant des années avoir des cimetières sans une mauvaise herbe, puisqu'on pulvérisait les allées, bien sûr. C'est pour ça que maintenant, on engazonne aussi toutes les allées, petit à petit. Et chez la plupart des gens, le retour est très bon. Ils sont contents de nouvel aspect que le cimetière prenne. Ici, comme vous le voyez, on est en train de végétaliser un peu le cimetière du Pleuchin. Ici, mon travail ici, je suis en train de mesurer entre les plantes. Comme ça, il n'y aura pas beaucoup d'écart, plus ou moins 50 cm. Et c'est moi qui s'en occupe toujours de l'enterrement du musulman. Et ça se passe très bien, c'est très bien parce que voilà, la communauté musulmane a tourné en même temps que je suis parti. Au même temps, j'ai fait des enterrements. Pourquoi? Parce que
je comprends leur langue et ça, c'est plus facile pour eux et le plus facile pour la famille de contacter parce que des fois, on trouve des familles qui ont du mal à s'exprimer. Là, à ce moment-là, moi, je suis là de faire un petit peu la traduction et je rappelle toujours de règlement communal, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et voilà. Ça fait bientôt 2 ans que j'ai été engagée afin de coordonner le service qui gère les cimetières. Donc il y a tout ce qui est l'aspect verdurisation, engazonnement, ça c'est les espaces verts qui sont mis en relation avec l'aspect inhumation. Et aussi les services administratifs de la ville de Tournai qui gèrent tout ce qui est administratif, tout ce qui est concernant les concessions, etc. Je pense que tout le monde a vu mon arrivée d'un bon œil, puisqu'il manquait un petit peu de communication entre tous les différents intervenants. Et je pense que, comme on dit, la feminine touch a fait le petit plus. Et je crois que tout le monde était content, et encore à l'heure actuelle, que je sois là pour faire la liaison entre ces différents aspects. En fait, je gérais déjà des cimetières dans une autre commune auparavant. Et c'est cette expérience-là qui a fait qu'on m'a engagée, je pense, en grande partie. Oui, c'est un sujet très sensible, mais avec des explications adéquates, le citoyen parvient quand même à comprendre toutes les démarches. C'est rare quand je viens pas le cimetière. Bah, disons que quand je passe, je fais un petit signe bonjour au monsieur qui est à l'entrée, quoi. Et puis, bon, bah, si je les vois dans... Quelquefois, je parle avec Philippe, le responsable... Bon, ben, vous savez, tout le monde me dit bonjour parce qu'il commence à me connaître. Donc, il y a 2 ans que mon mari est décédé. Donc, voilà, vous savez, c'est de se voir comme ça et puis on se dit bonjour. Et... Ah oui, ça oui, j'ai du respect, ils sont courageux parce que bon, c'est quand même un métier qui ne donne pas. C'est vrai qu'on est amené à voir. Avoir différentes personnes, les citoyens qui viennent régulièrement remettre leur bonjour à leur malheureux défunt. J'ai une anecdote à vous expliquer. Nous étions au cimetière du Nord et nous avions l'habitude de voir un monsieur qui venait tous les jours rendre visite à sa dame qui malheureusement était décédée. Ce monsieur s'asseyait sur la concession sur la concession de son épouse, bien sûr. Et dans son sac qui comprenait un thermo, 2 petites tasses de café et un petit essuie-vaisselle qui protégeait un petit peu tout ça. Et ce monsieur parlait avec son épouse et buvait sa tasse de café en faisant toujours croire que son épouse était bien présente, quoi. Ce sont des anecdotes qui marquent parce que bon, ben, ce monsieur-là, je vous dis. On le voyait pratiquement tous les jours et c'est vrai qu'indirectement, on s'attache un petit peu à ce genre de personnes, quoi. Enfin, forcément, je connais tous les habitués. J'ai des habitués qui viennent tous les jours, hein. Bien une vingtaine de personnes qui viennent tous les jours ici. Puis bien sûr, après, c'est aléatoire. Il y a des gens qui viennent une fois par semaine ou tous les 15 jours. Il y en a qui ne viennent jamais aussi. Moi, il y a des gens que je connais. Je viens de perdre un monsieur, justement, qui venait tous les jours, Michel. Pauvre gars, il était... Une anecdote, et je lui avais dit, il vient pas, il fait froid. Il dit, je suis pas bien, Philippe. C'est la dernière fois que je l'ai vu, quoi. Après, il est rentré à l'hôpital, il est parti à Moncron pour faire des rayons, il y avait une tumeur, je crois, un truc ainsi, je l'ai plus jamais vu. Malheureusement, maintenant, il est avec sa femme. Enfin bon, c'est ça, c'est comme ça, c'est le métier aussi, hein. Donc, dans les cimetières, quand on y travaille, c'est un peu un univers particulier, parce que on côtoie régulièrement la mort, même si on n'y est pas confronté, nous, directement. Mais le calme des lieux nous interpelle toujours au début, et également, personnellement, parfois les dates sur les monuments, ou une photo, un visage, ça peut être parfois troublant, ou voilà, on reste au niveau humain, je pense que c'est... des valeurs à prendre en compte. Bon, en général, c'est moi qui ferme les grilles. C'est-à-dire qu'il faut arriver ici avec son auto, il faut faire tout le tour du cimetière, regarder dans les allées. Bien sûr, il y a toujours des gens. Il y a toujours des gens, messieurs, dames, excusez-moi, mais on va fermer les grilles, voulez-vous bien partir, tout là. Donc, il faut aller fermer la chaussette Douai, revenir ici, regarder si les locaux, ils sont bien fermés, faire aller la cloche, parce que ça, c'est ce qui reste vraiment dans le symbole du cimetière, de la fermeture. C'est vraiment faire sonner la cloche, quoi, pour que les gens qui sont
Ça arrive hein, qu'il y a des gens qui restent enfermés. Hein. On vient les rechercher. Hein. Bon, et alors comment on fait la cloche, on ferme les locaux, et puis je ferme la grille, et puis je m'en vais au nord, fermé, parce qu'il y a le nord aussi qu'il faut fermer. Quand il fait bon comme aujourd'hui, c'est toujours agréable. Pour moi, le travail est gratifiant, et on en ressort plus fort. Quoi. On est fiers de notre métier, beaucoup de personnes qui ne seraient pas capables de le faire. C'est une fierté, parce que je me dis, bah, comme certaines personnes peuvent nous le dire, bah, vous accompagnez vraiment jusqu'au bout. Moi, je suis content de travailler ici. Ça me plaît. Parce que je pense qu'il y a des gars qui sont à l'usine, là, c'est différent. Quoi. Moi, j'ai tout de suite accroché à ce métier-là, comme quoi que travailler dans les cimetières, pour les citoyens. Et on ferme comme ça. Voilà. À demain. Ou à la prochaine.